Bonjour Eliane, on est très bonjour heureux. Yann. Bonjour on est à très, toutes et à très tous. Heureux. Bonjour Marseille. Très heureux de t'accueillir ici. On te connaît bien Eliane, tu es une défenseuse acharnée des territoires, une défenseuse acharnée du service public. On te voit en ce moment te battre contre ces cabinets de conseil privés. Chère Eliane, si tu avais une proposition que tu souhaitais mettre sur la table pour cette campagne de la France des jours heureux, quelle serait-elle ? Oh, j'en ai beaucoup, mais il y en a une à laquelle la citoyenne d'un département urbain pense. C'est la ruralité. C'est ces territoires, ces populations qui sont abandonnées, dont on ne parle pas souvent. Et je pense que grâce à André Chassaigne qui a rédigé une proposition de loi sur les retraites agricoles, nous avons pu faire rentrer au Parlement la situation de ces milliers d'agriculteurs qui vivent dans des situations improbables. Il y a beaucoup trop de suicides parmi les agriculteurs. Occupons-nous de la ruralité. Donnons les moyens à des jeunes de s'installer dans une exploitation afin de vivre dignement de leur travail. L'alimentation, l'agriculture, c'est la richesse de notre pays. Et les ruraux, les urbains comme les ruraux, ont droit, eux aussi, à une France des jours heureux. Alors, vive la ruralité, vive l'urbain, vive la citoyenneté, vive la démocratie. Et ensemble, faisons en sorte que nous vivions tous là où nous sommes des jours heureux très prochainement.